les amis. Alors, c'est la reprise, donc n'oublions pas que nous sommes toujours en été. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite salade. Alors bien entendu, les recettes d'été, ce ne sont pas des recettes de cuisine élaborées. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cuisine effectivement à faire. Mais il faut bien que je vous trouve quelques idées. Et donc pour ça, j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite salade de pâtes. Donc les pâtes, là j'ai pris 500 g de pâtes. Alors vous cherchez des pâtes pour sortir un peu de l'ordinaire, voilà, que ça soit, pour pas que ce soit toujours des coquillettes, etc. Là c'est des peines rigates, c'est un drôle de nom, là, peu importe. Donc les pâtes, dans ma salade je vais mettre du maïs, des tomates cerises, je vais mettre des olives noires pour la couleur. N'en mettez pas si vous n'aimez pas bien sûr. J'ai du poivron rouge, du poivron vert, du concombre, j'ai des câpres, j'ai quelques radis au frigo, vous voyez, j'ai tranché des radis que je vais mettre, un petit oignon rouge, du sel, du poivre, des câpres, parce que j'aime ça, on peut mettre des cornichons, vous voyez, on fait ce qu'on veut. Et ma foi, on est prêt pour démarrer la recette. Et bien sûr, de l'huile et du vinaigre, ça c'est le vinaigre maison, hein. Ça j'en démords pas, je me fais mon vinaigre, hein. J'adore ça. Voilà, tout simple. Alors on va débarrasser dans les pâtes tout ce qui est un peu encombrant, comme ça on fera un peu de place. Donc je vais mettre déjà du poivre, je vais saler, c'est le poivre, voilà, hop, de côté. Mettons la cerise, pareil c'est pour la couleur, du maïs, pourquoi pas, les olives, couleur, le radis tranché, qu'est-ce que c'est, des câpres, voilà. Tout de suite on y voit plus clair, un peu d'oignon rouge émincé très finement, pour la petite anecdote, c'est la salade préférée de mon voisin, vous connaissez maintenant Monsieur Cerise. Monsieur Cerise, il est amateur de salade de pâtes. Et alors, c'est pas bizarre, hein, mais il aime beaucoup la salade de pâtes accompagnée d'araignées de porc au barbecue. Alors, si vous voulez lui faire plaisir, c'est pas compliqué à lui. Salade de pâtes, araignée de porc. Là, le lendemain, il est sonné à la porte. Voilà, ça, c'est pour la petite parenthèse. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre... ça, je mettrai après. Donc ensuite, mon concombre, mon poivron vert et mon poivron rouge, je pourrais les lâcher à la main, mais c'est fastidieux. Donc, nous sommes en 2023, on va travailler avec les outils. Les bons outils, voilà. Bien sûr, on ne recherche pas la purée. Voilà. Voilà. Ah, il y aura, oui. S'il y a des gros morceaux, on les enlèvera, c'est pas grave. Voilà. Là, c'est bien. Là. Je vais débarrasser, je nettoie. Et je reviens pour la finition de la pâte, de la salade de pâte. Voilà, un petit coup de propre. On va maintenant s'occuper de finaliser la recette. Donc, je vais hacher un peu de persil. Dedans, j'ai mis quelques feuilles de menthe. C'est chacun ses goûts. Vous voyez, j'ai du basilic, j'en ai pas mis. On peut mettre du basilic, on peut mettre de l'estragon. Pas mal l'estragon, j'aime bien, c'est frais ça. Là. Si, tiens, je suis en train de penser, on peut mettre un jus de citron, pas mal aussi le jus de citron. Là, maintenant, je vais mettre de l'huile. Alors, je ne mets pas l'huile d'olive, c'est trop fort pour moi. L'huile d'olive, je trouve que c'est trop fort. Là, le vinaigre maison. J'aime bien, donc j'en mets un peu de tabasco.
Et allez, on touille. Ouais, ah, ça a de la couleur, c'est joli ça. Ah, parfait, on va goûter. C'est bien. Ça suffit, c'est très bien ça. Voilà. Voilà les amis, salade de pâtes pour accompagner vos grillades, vos poissons, tout ce que vous avez envie, du jambon blanc, n'importe. Ça c'est super bon, super frais, bien frais, ça c'est parfait. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Donc je suis allé à la cave avec vous ce matin, j'ai rencontré mon ami Flore, parce que Bertrand est en vacances, je vous ai dit en passant. Et donc Flore m'a conseillé un vin des Landes, un IGP, un vin blanc sec, fruité, pour enlever un peu l'acidité de la salade de pâtes, là. C'est la famille Perry. Voilà, un Ogeron, sable fauve, donc vin blanc sec des Landes, vivement conseillé par Flore, avec, pour accompagner cette salade de pâtes. Donc je lui fais entièrement confiance, bien sûr. Là-dessus, les amis, je suis très content d'avoir réalisé cette recette, et je vous dis au plaisir et merci. Allez, chats !